Mais je te croyais à l'université, quoi. Oh non, je préférais travailler à la maison. Tu permets? Oui. Faut que j'écrive un article pour le Carabin, le journal étudiant. Is that so? Oui. Et quel sujet as-tu choisi? L'amour et la guerre, un sujet imposé. Oh my God! Ben, il y a un débat complètement ridicule cette année sur le rôle de la femme dans la vie. Les gars écrivent des grands articles romantiques, puis les filles osent pas se péter. Mais vous comprenez, on est juste quelques-unes en droit, ça fait que essayer de leur faire comprendre, c'est tout un contrat. Mais tu veux leur faire comprendre quoi? Mais qu'on n'est pas là juste pour leur rêve, aux gars. Qu'on est des êtres ordinaires avec une tête, un corps, un cœur. Les autres, ils pensent que je vais leur écrire des belles petites cochonneries. L'amour. Des cochonneries écrites par une fille avec des mots camouflés. Ça les excite beaucoup. Tandis que moi, tout ce que je pense, c'est à la photo d'un soldat que j'ai vu dans Life magazine la semaine dernière. Un soldat mort, couché sur la route, tout cassé. Avec des chiens affamés qui essayaient d'en arracher un morceau. Puis je me dis que c'est peut-être quelqu'un que je connaissais, ce soldat-là. C'est pour toi. Ce sont des fleurs que je vais offrir à ta mère, mais on ne voudra pas d'en voler une pour toi. Hein? Ah, je suis très fier de ma Colette. La femme courageuse, splendide qu'elle devient. Et tu sais, cet article, il faut absolument que tu le réussisses. All right? Maman est chanceuse de vous avoir. Tu crois, oui? Oui. Tu crois aussi qu'elle va aimer ces fleurs parce que il faut que je lui fasse une demande. La grande demande? My God, comment tu as fait pour deviner cela? Oh, croyez-vous que ce soit tellement difficile? Nous en avons parlé, elle et moi, comme ça, mais là, je veux régler la question définitivement et sérieusement. Je demande ta mère en mariage, ma petite Colette, et je veux fixer la date. Oh, je suis donc contente pour vous deux. Mais au fait, où est-elle, ma dulcinée? Oh, mais je sais pas trop. J'ai pas très bien compris son affaire, mais je crois qu'elle allait chercher quelqu'un à la gare. Mais Geneviève, c'est pour vous. Au revoir. On est tellement contents de vous retrouver. J'en prends une. C'était merveilleux de trouver ces fleurs en arrivant. Comment avez-vous pu deviner que notre amie arrivait justement cet après-midi? Eh bien voilà, c'est que... On m'a dit au bureau que vous aviez téléphoné. Alors j'ai cru comprendre. Ben, j'ai cru comprendre, en vrai, que quelqu'un de très important pour vous... Je veux dire, pour nous tous, arrivait. Et ce qu'il est menteur. Non, mais vous avez vu ce qu'il est menteur. Je ne me rappelais plus ce talent, hein, mon colonel. Vous avez vu comme ils sont menteurs tous les deux. Oh oui, hein? Encore plus que vous croyez, hein, parce que quand ils se parlent tous les deux, lorsqu'ils croient être tout seuls, bien, ils se tutoient. Oui, oui, je les ai entendus plusieurs fois. Ah oui, ils se tutoient? Mm-hmm. Depuis quand? Oh, t'écoutes aux portes maintenant? Peut-être que t'oublies de les fermer. Ah. Enfin, on n'est pas ici pour discuter de Tancred et moi, mais pour accueillir notre belle amie. Oh. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Il faut tout nous raconter. Non, non, ça m'intéresse, cette histoire de tutoiement. C'est passionnant, c'est très américain. On peut savoir où vous en êtes, tous les deux. Après toutes ces années, Marie et moi, nous disons que c'est peut-être un peu ridicule, ces vouvoiements très solennels. Nous n'avons pas encore pris l'habitude, enfin, pas tout à fait. Oui, enfin, c'est oh. Ça. Peut-être eux autres aussi vont se marier au Navicu. Oh! Peut-être nous laisser décider en privé, Tancred et moi. Vous pensez pas que c'est notre droit? Ben, décidez-vous, parce que nous autres, on n'attend rien que ça. Hein? Oh.
C'est peut-être pas une si mauvaise idée. Moi, je la trouve excellente. Oh, Geneviève, c'est des taquineries, tout ça. Je vois pas leur jeu. Non, 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 non. Parlez-nous de ce qui se passe en France. Eh bien, croyez-le ou non, en France, on prend encore plaisir à taquiner ceux qu'on aime. Oh, Geneviève. Mais pourquoi c'est faire d'abord les fleurs? Si tonton, il savait pas que madame arrivait. Oh, mais oui, tonton, pourquoi, non? Pour vous saluer tous, bande de schnappants, et vous dire mon affection. Merci. En vous incluant, bien entendu, cher ami. Vous avez été torturé. Par la Gestapo. Ou pour de voyage à Blois. Un lieutenant de marine en tournée pour France Libre est venu nous l'apprendre. Mais comment avez-vous pu échapper à la captivité? Oh! Par un hasard inouï. Je devais être fusillée après mon interrogatoire le lendemain matin avec trois autres personnes. Et une bombe est tombée au cours d'un raid allié sur la caserne où nous étions détenus. Et dans la confusion générale, nous avons traversé une brèche dans le mur et nous avons marché dans la rue, tout bonnement. Dès le lendemain, je retrouvais mon réseau, qui s'était évidemment replié, et nous recommencions. Mais comment on sent après? Après? J'ai eu très faim. Il a fallu qu'une camarade m'arrête, j'aurais commis des imprudences pour un petit déjeuner. Une merveilleuse arrogance. Tu vois, c'est ça qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas combattu. Ce que la guerre nous fait, comment elle nous change. Oui, mais une arrogance. Vous voyez, au début de l'occupation, nous, juifs, nous étions figés. Terrorisés par l'incertitude. Nous n'arrivions pas à admettre l'horreur de la situation. Le génocide nous semblait impensable. C'est quoi le génocide? Les Allemands ont fait des plans pour rassembler tous les Juifs du monde et les exterminer. Ils appellent ça la solution finale. La solution finale? Ils veulent tuer tous les Juifs, là. Tous, tout partout. Mais c'est pas possible. Tu as compris. Et nous aussi, nous avons compris. Et nous avons décidé de nous battre. Nous n'allions pas nous offrir en holocauste à la bête nazie. Nous avons voulu survivre. Ardemment, farouchement, violemment. C'est quoi la concentration? Des camps où les Allemands enferment les prisonniers. Ce sont des abattoirs. Des abattoirs, mon cher petit. On rassemble les Juifs dans des trains bestiaux. Sans nourriture, sans rien à boire. Et on les envoie au-delà de l'Allemagne, jusqu'en Pologne. Et là, on les passe à la chambre à gaz. Certainement, mon collègue. C'est impossible, voyons. Comment avez-vous su? Certains sont arrivés à s'échapper, parfois aux portes de la mort, et nous ont raconté. Pour Auschwitz, par exemple, le voyage était si long que beaucoup mouraient à bord du convoi. À l'arrivée, on ouvrait les portes des wagons, on retirait les cadavres, et on procédait au tri des vivants. À gauche, les plus forts. Et à droite, tous les autres. Jusqu'à un bâtiment où on les déshabille et où on les pousse nus, hommes, femmes, enfants, dans une grande pièce fermée sous prétexte de prendre une douche. Les hommes, les femmes, les enfants, ensemble? Ensemble. Et ce sont des douches très spéciales. Des douches où les robinets déversent des gaz mortels. Et quelques minutes après, les déportés ne sont plus que des cadavres. Alors tu vois, les survivants,
les plus forts qu'on a triés au début, eh bien, ils ont la tâche d'arracher les dents en or des cadavres, de couper les cheveux qui serviront à l'industrie de guerre et d'empiler les corps dans les fours crématoires. Et alors? Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à changer. Et que moi, pour une fois, j'ai senti naître à l'intérieur de moi une haine, une colère sans limite. Et j'ai accepté de la laisser fleurir, de la cultiver. De la haine, vraiment? Oui, c'est cela l'arrogance dont je vous parlais tout à l'heure. C'est celle de la bête traquée qui découvre qu'elle doit se défendre, qu'elle peut apprendre à le faire. Et qui découvre en elle-même les ressources nécessaires et qui arrive non seulement à se sauver, mais aussi à triompher de l'ennemi. Et aujourd'hui, les nazis sont en déroute partout. Les alliés sont aux frontières de l'Allemagne et les juifs de France ne se laissent plus déporter. Ils se battent les armes à la main pour libérer leurs frères. Et j'en éprouve une très grande fierté. Et vous allez continuer? Oh oui. Pour la cause juive maintenant. Pour la création d'un État en Palestine. Car cette chose-là au moins est devenue très claire. Il n'y aura pas de sécurité dans le monde pour les gens de ma race si nous n'arrivons pas à nous donner un pays. C'était pour toi, idiote, les roses. J'ai eu l'air d'une folle avec ces histoires de tutoiement. Je ne faisais pas beaucoup plus intelligent. Hein. Mais c'est l'état naturel des amoureux, à ce qu'on m'a toujours dit. Oui. Mais je suis quand même la mère de ces enfants-là. Alors là, tu ne peux plus hésiter. Il faut que tu m'épouses, et le plus vite possible. Chère madame, je vous en fais la demande solennelle pour la seconde fois. Quand j'imagine la cérémonie, ça me semble encore plus ridicule que tout le reste. Je peux très bien aller voir votre curé pour bâcler la chose discrètement, disons dans les 15 jours. Qu'est-ce que vous en dites, chère madame? Reste. Comment ça, rester? Tu peux pas faire semblant de partir, puis revenir un petit peu plus tard quand tout le monde sera couché. Ah, comme un petit jeune homme avec sa Julienne. Il faudrait peut-être que je grimpe au balcon. Ça me déplairait pas. Et pas avant que tu m'aies répondu. Tu évites encore ma question? Bien sûr que je vais t'épouser. Mais pas pour les convenances. Pas pour calmer les enfants. Mais parce que je veux être ta femme. Toute ta femme. Pour le restant de notre vie. C'est si fragile, la vie. Hier soir, à un moment donné, elle s'est mise à parler des kibbutz. Ce serait quoi, ça? Des colonies de peuplement en Palestine. Mais tu comprends, c'est tellement incroyable ce qu'on leur a fait aux Juifs. Mais ils veulent se faire un refuge maintenant. Alors, ils créent de très grandes fermes, puis ils mettent tout en commun. L'argent, la nourriture, le travail, parce qu'ils veulent changer la vie. Les hommes et les femmes sont égaux. Tout le monde s'occupe des enfants. Puis les filles aussi prennent les armes parce que ils ont beaucoup de misère avec les Anglais puis avec les Arabes. Les Anglais encore? Personne ne veut les laisser faire. Elle disait ça aussi, que la haine des Juifs, c'est partout. Elle racontait que leur pire ennemi en France, là, c'est souvent des Français. Surtout la ministre française. Oh, c'est vraiment incroyable ce qu'elle raconte. C'est terrible, puis en même temps, c'est une chance de vivre ça. Je pensais à ça ce matin en me réveillant. Au moins, elle a su ce qu'elle fait dans la vie. Les raisons pour se battre sont claires. Ce qu'elle doit réussir aussi. Tandis que nous autres... Ben quoi? Ben, je parle pas pour toi. T'as Lucette à t'occuper, puis
T'as Pierre-Paul à aider, puis à endurer. Faut voir que ce serait pas une petite job, ça non plus. Mais moi, je fous rien. J'étudie en attendant, comme dit Michel. Moi, j'attends qu'un garçon revienne. C'est tout ce que je fais. Parce que j'ai aimé un peu Camille, et puis parce qu'il y a la guerre, ben, je prise là-dedans, juste attendre. Je veux pas faire d'autres choses. Oh, moi, c'est ça que je voudrais, faire un kibbutz. J'aimerais ça être juive, même si c'est effrayant. Parce que moi aussi, je veux réinventer la vie. Chacun sa classe, chacun son rang. Tu riais bien de moi quand je disais ça, mais c'est pas si fou. D'après moi, on a chacune notre bloc de sel agrégé. Notre souffrance a enduré. Madame Adler, elle, c'est la guerre. Moi, c'est Pierre-Paul, puis peut-être que toi, c'est d'attendre. C'est du gros travail d'attendre, Colette. C'est une souffrance qui serait comme parmi les pires. Une puissante souffrance. Mais peut-être que c'est ça que le bon Dieu te demande pour tu. Attendre, puis pas te plaindre. Faire ça avec le sourire, si tu vois ce que je veux dire. Je comprends pas. C'est en tant que femme. J'aime pas ça me voir comme une queue de veau, pas savoir ce que je fais puis où est-ce que je m'en vais. D'après moi, tu te plains la bouche pleine si tu permets que je te dise. Tu fais l'université, là. Une des rares, une des premières. Mais c'est déjà inventé quelque chose, ça. Tu m'as laissé savoir nombre de fois que c'était pas pour toi. Que c'était pour aider le monde pauvre après. Ben, c'est déjà pas si pire si c'était vrai. Ce serait comme qui dirait... Ton kibbutz à toi, ça? De par ici? Je m'ennuie de Camille. Je voudrais dormir dans ses bras. Ben oui. Puis moi, je m'ennuie de Marcel, des fois. Tu penses encore à lui? Croire que non. Tu penserais-tu que je serais faite comme un bloc de savon qui passe de main en main sans que rien n'y fasse? Des fois, j'y pense à Marcel, des fois, j'y pense gros. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Toi, au moins, Camille, tu peux croire qu'il y a des chances de revenir, tandis que moi, Marcel, je sais qu'il est embusqué dans le bois tout fin seul. Je sais aussi que la pire affaire qui pourrait arriver serait qu'il en ressorte de son bois puis qu'il retourne ici à Québec. Ça veut pas dire que j'y pense pas. J'aimerais pas ça dormir dans ses bras, moi aussi. On est mal faites, toi et moi. Pas en toutes. C'est bien correct ce qui nous arrive. La folie, ce serait de penser que le bonheur, c'est important puis que ça nous serait dû. Pourquoi tu penses qu'on est sur la Terre? Certainement pas pour courir après, comme je te l'ai déjà laissé savoir. Ce serait trop comique de voir toute la grosse, grosse gang là qui s'excite tout partout pour essayer de pogner un petit bout de cette affaire-là puis qui se ramasse toujours rien qu'avec un petit peu de vent dans le creux de sa main. Après avoir pilé sur le prochain, puis écrasé tout un chacun la plupart du temps. Pourquoi se faire, tu penses, qu'il y a la guerre? Parce que tout le monde veut ça, le bonheur. Puis que tout le monde est prêt à faire n'importe quoi pour essayer de le voler à celui qui paraîtrait en avoir un petit peu. Une puissante folie, je te dis. Il n'y en a pas de plus puissante que ça. Ah, ma belle Colette, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies? Oh, non. J'essaie d'écrire un article pour le journal des étudiants sur l'amour et la guerre. C'est bien, c'est très bien. Mm. On peut savoir ce que ta sagesse te suggère. Ouf, j'ai beaucoup de misère, justement. Je peux peut-être t'aider. Tu veux m'en lire un peu? Oui. La guerre ramène à l'essentiel et débarrasse l'amour de tous ses faux prétextes. Elle ne tolère en fait qu'un seul amour, celui qu'on éprouve sans condition, comme au-delà de soi, simplement parce que celui qu'on aime est aimable et qu'il ne cesse pas de l'être parce qu'on ne tient plus dans ses bras. La guerre nous apprend finalement que l'amour est un tourment et que ce tourment est infiniment précieux, car il nous oblige
à nous oublier nous-mêmes. C'est très beau. Très sévère. La vie t'en a appris des choses depuis mon dernier voyage, hein? Des choses pas commodes. Avec le talent que tu as, tu sais ce que tu devrais faire. C'est très important, l'amour, mais il y a la justice aussi. Avec les Nations Unies qu'on vient de créer, il va falloir rebâtir une société où toutes les horreurs que nous avons connues soient impossibles. Et toi, qui arrives à dire des choses si graves et si délicates, tu ne pourrais pas t'intéresser un peu à la question du droit des personnes, du droit des collectivités? Tu sais, si on n'arrive pas à faire régner une nouvelle morale sur tout cela, l'humanité n'aura pas d'avenir. Pas d'avenir du tout. Et c'est très urgent. Et ce sont les gens de ton âge qui peuvent faire quelque chose. Nous aurons usé nos forces uniquement pour arrêter un peu la barbarie.